Dans quelques jours seulement, Meghan Markle et le prince Harry accueilleront leur tout premier enfant. Une aubaine pour le fils du prince Charles qui n'a jamais caché sa volonté exacerbée de devenir père. En mai 2012, déjà, alors qu'il venait de rompre avec Chelsea Davy et qu'il ne connaissait pas encore Meghan Markle, le prince Harry évoquait cette possibilité, « J'ai envie d'avoir des enfants depuis mon plus jeune âge. J'attends juste de trouver la bonne personne, celle qui en assumera les responsabilités. » La bonne personne, le prince Harry l'a trouvée au début de l'année 2016. Un an plus tôt, il réaffirmait sa volonté de devenir père sur Sky News, « Bien sûr que je voudrais en avoir maintenant, mais il y a tout un processus à respecter. S'il veut absolument devenir père, s'y est-il notamment pour que sa défunte mère, la princesse Diana, devienne une nouvelle fois grand-mère. Je suis certain qu'elle attend avec impatience que j'aie des enfants. J'espère encore une fois la rendre fière grâce à ce que je fais », expliquait-il en 2016. La TMT est bientôt terminée pour le prince Harry. Dans les prochaines heures, sa femme, Meghan Markle, donnera naissance à celui ou celle qui prendra directement la 7e place dans l'ordre de succession au trône britannique. On your